Shalom, 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 frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais pendant ces quelques minutes partager la parole de Dieu avec nous. Nous sommes déjà en train de chuter dans cette année 2017. Le Seigneur nous a gardé depuis le 1er janvier et bientôt, nous allons dire bye bye 2017 et bienvenue 2018. C'est vraiment une semaine clé pour nous, pour chacun de nous, pour celui qui veut, qui marche avec Dieu. C'est le moment du bilan, l'année où nous réfléchissons sur les hauts, sur les bas et nous prenons des orientations de la part du Seigneur, mais aussi des décisions du fond de notre cœur pour l'année 2018 qui commence. J'ai une exhortation pour nous pendant ces quelques dizaines de minutes qui va axer sur la reconnaissance à Dieu. Ce que nous devons faire pendant ce temps, voir ce que Dieu a fait et être reconnaissant à lui. Je me base sur le texte de David dans le psaume 116. Je vais juste, pour gagner le temps, prendre le verset 11 et jusqu'au verset 14. La Bible dit, je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Et comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. La question principale ici, c'est ce que David est en train de dire. Comment rendrai-je à l'Éternel? Si vous lisez ce texte au départ, vous allez voir que David est en train d'énumérer des choses que Dieu a fait pour lui. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Eh bien, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Il se rend compte qu'il vient de loin. Comme nous aujourd'hui, nous venons de loin par rapport à cette année qui se termine. Dieu a fait beaucoup de choses. David s'est référé à Dieu. Dans sa marche, beaucoup de choses se sont passées. Vous savez comme moi qu'il a été jalousé par le roi Saoul quand il a remporté la victoire sur Goliath. Et les femmes ont chanté pour lui. David a tué ses 10 000, Saoul a tué ses 1 000 et ça suscitait la colère du roi. Et le roi s'est mis à poursuivre David chaque jour pour mettre fin à sa vie. Mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a protégé contre les assauts des Philistins, des armées ennemies. Dieu l'a gardé. Et ici, il pose la question fondamentale. C'est cette question qui dégage la reconnaissance à Dieu. Et j'aimerais que dans cette dernière semaine de l'année, chacun de nous se pose cette question. Par rapport à ce que Dieu a fait, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dieu nous a donné la vie, le souffle de vie, la bonne santé. Dieu a gardé la famille. Dieu nous a gardé dans le voyage, dans les affaires, dans les études, dans plusieurs choses. Nous sommes encore en train d'attendre beaucoup de Dieu. Tout n'est pas fini en 2017. Et même nous avons eu beaucoup d'échecs en 2017 dans d'autres aspects de la vie. Mais en gros, Dieu nous a fait du bien, en nous laissant en vie. Beaucoup sont partis, nous ne sommes pas plus qu'eux, mais Dieu nous a préservé la vie. Je m'aimerais dans cette petite exhortation, dire à quelqu'un, pose la question que David s'est posée, qu'est-ce que je veux faire pour Dieu? Deux éléments ici par rapport à la reconnaissance à Dieu. Celui qui veut être reconnaissant à Dieu doit apprendre à remonter dans sa mémoire les choses que Dieu a fait. Et donc, le premier élément, c'est qu'il ne faut pas oublier.
Il faut se souvenir. Le souvenir cache la reconnaissance. Celui qui se souvient des choses sera reconnaissant. La reconnaissance ici, ce n'est pas seulement pour, envers Dieu, même envers le prochain, envers ton mari, ton épouse, tes enfants, tes collègues du travail, tes frères et sœurs à l'église. Beaucoup, il y a des gens qui, autour de nous, Dieu dispose des gens pour nous aider dans ces sur-cela. Lorsqu'on se souvient de bienfaits qu'on a été bénéficiaire, on sera reconnaissant. Donc, pour être reconnaissant, il faut se souvenir. Le psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Encore David qui parle à son âme. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi David parle à son âme? Parce qu'il sait que l'âme est de foi et se perd dans l'oubli. L'âme qui a été bénéficiaire de beaucoup de choses, de beaucoup de faveurs, mais il se perd dans l'oubli. David est en train de secouer son âme. Il dit, n'oublie pas, n'oublie aucun de bienfaits. La question se pose, qu'est-ce que Dieu a fait tout au long de l'année que tu as déjà oublié peut-être? Gloire à Dieu, que cette exhortation t'aide à revenir et pour dire merci. Vous savez, ils étaient 10 lépreux. Ils ont reçu la même promesse de la guérison. Et ils ont tous été guéris. Mais un seul est revenu pour dire merci à Jésus. Il s'est souvenu que j'étais lépreux. Si je suis purifié aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a parlé et la chose est arrivée. Qu'est-ce qui monte ton âme maintenant? Sois reconnaissant à Dieu. Et le deuxième élément pour la reconnaissance, c'est l'humilité. Ici, c'est David qui parle, le roi. Il est humble pour reconnaître que c'est Dieu qui a fait des choses pour lui. Pour terminer cette petite exhortation, il ne suffit pas seulement de reconnaître, mais il faut maintenant agir. La reconnaissance pousse à l'action. Et David, il dit, comment je le ferai? Il répond lui-même, je lèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Fais quelque chose. La première reconnaissance que Dieu attend de nous, c'est la qualité de notre vie. Décide de vivre pour Dieu dès maintenant. Décide de vivre pour Dieu tout le long de l'année 2018. C'est ça la reconnaissance que Dieu attend de toi. Mais aussi, dans ta prière, dans ton adoration, parle de choses que tu as fait, témoigne des choses que tu as fait, accomplis tes vœux. Qu'est-ce que tu as demandé? Tu as dit à Dieu, je ferai ça si tu me donnes ça. Accomplis tes vœux. Rends grâce à l'Éternel. La reconnaissance pousse même à donner de bien à Dieu au travers de son œuvre. Donne de tes biens. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers tes parents, avec ton époux, ton épouse, tes enfants, ton collègue du travail. Sois reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour l'année 2017 qui commence. Et je crois par la grâce de Dieu, la même puissance de Dieu t'accompagnera encore tout le long de l'année 2018. Que Dieu bénisse ces moments d'exhortation. Je crois que le Saint-Esprit continuera à parler dans les cœurs de chacun pour qu'en cette fin d'année, nous puissions exprimer notre reconnaissance à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la chaîne Pactol TV et son responsable et toute l'équipe, cette chaîne qui nous donne l'opportunité de communiquer la parole de Dieu et d'être édifié par les enseignements de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Mbote bande ko balandi a Pactol TV na komo na Yesu zangai mama ibwa kadito pesa na mayele ya solo na lingai ko pesa moi maloba moke pamba te za na baninga na biso mususu bazako luka vraiment o balingi
kobenga par téléphone ma solo makambo ezali ebele moyen ezali te ya solo to zwindingi sa mususu e kozala malamu kobenga na numéro oyo ezali affiché ya partol soki yo ezali na likambo na yo oyo olingi koleka sur place eza malamu mama eza malamu papa obengi opesi lisolo na yo biso tokopesa yo date moto okozwa na telefone ya kopesa yo date mokolo ya date wana nde soki toza tokobenga yo avant 1h comme ça tozwa yo en direct opesa lisolo na yo na nkombo na yesu tozangi mpe te kosenga yo ndeko yaka oyo omoni oza kapable yo moko ya kobima tozangi mpe te ya kosenga yo ndeko oyo oza na lisolo olingi opesa direct benga kaka na meme nimero opesa lisolo nde tokoloba liloba na yo lisolo na yo ekosunga mpe baningo baza na ka lokwa yo na nkombo na yesu. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet. Partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuse, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benkwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambu kisika ya kulala même monana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Boleka na Pactol TV, poete totombola lisusu, Yesu oyo abenga biso. Ne zappe pas, ne change pas la télé, c'est Pactol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse.